Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va checker un son qui s'appelle Licolo Remix. J'ai vu Tenor, il a balancé ça sur son compte officiel sur YouTube. Et donc DJ P2N featuring Tenor et DJ Amarula, ça s'appelle Licolo Remix. Le clip il est sorti, du coup j'ai regardé un peu. Du coup j'ai vu que ça venait, je crois, du Congo. Featuring, bien évidemment, le Cameroun. C'est grosse combinaison, on dirait. J'ai vu que le son était sorti déjà depuis 3 ans. Truc de ouf. Je dois écouter l'original pour voir un peu ça donne quoi. Mais déjà, allons voir ça. Parce que voilà, c'est sur celui-ci que je suis tombé. Donc on va checker ça. Tenor, ça fait un petit moment que je n'ai pas entendu en plus. Et on va écouter ça. Let's go. Ouf. Déjà, tu sens que l'ambiance elle est. Ténor! Toujours, il y a un truc dans la prod, hein? Avec son le polo là, Def Jam là, il est. C'est l'Afrique qui gagne. Franchement, le son il est bon. Tu vois, c'est. Il y a un côté simple dans la prod, tu vois. Mais qui passe super bien. Les Congolais, ils savent faire, hein, franchement. Tu vois, ils envoient du lourd. Franchement, la prod, elle est. En fait, j'ai l'impression qu'elle est légère. Tu vois, y a pas trop d'instruments. Des grosses basses, des gros volumes, des trucs comme ça. Mais il y a de la technique, on va dire, tu vois. Les drums, ils sont super importants en fait dedans. Aïe, aïe, aïe. Non, je te jure, toujours comme on le connaît, hein. Tu vois, t'es là, allez. Ces sons là au Congo là, ça doit être du feu de du oh là là. Gars, il est mort dans le film. Franchement, le son congolais là, il est chaud, hein. Je sais pas comment Tenor il est arrivé sur le remix en fait. C'est un truc de ouf. Parce que j'ai pas l'impression que Tenor ait fait des sons comme ça en fait.
Incroyable. Incroyable. Franchement, j'aurais jamais vu Ténor en fait dans ce genre de truc. Après, j'ai pas écouté toute la discographie de Ténor non plus, mais de ce que j'ai entendu, c'était plus agressif que léger et trucs comme ça, tu vois. Et lourd, franchement, ça passe super bien. Après, Ténor, il est toujours dans son délire. On le connaît très bien, donc ça met toujours le personnage à son haut niveau en fait. Et ils l'ont pris aussi pour ça. Donc je sais pas comment s'est faite la connexion. Est-ce que c'est DJ P2N qui l'a demandé, ou c'est Ténor qui a dit vas-y tiens, je vais leur demander si je peux pas poser dessus, je vais faire un remix avec eux et tout, parce que le son il est lourd, il a kiffé. Étonnant, hein? Franchement, je me pose la question. Ça dit quoi les commentaires? Le son des fêtes est dehors. Ténor est revenu plus fort que jamais. Félicitations les gars, le son est pur. Ténor, c'est un monstre musical et s'adapte à toutes les langues. Ténor, tout est impeccable. Merci d'être revenu plus fort qu'avant. Ténor, je vais danser ça pendant les fêtes. Franchement, le son, il est tellement. En fait, il est. Je te jure, il est fait que pour les clubs, ce truc-là, en fait. Que pour les soirées, les événements, les trucs comme ça. Tu mets ça là. Oh là là. Oh, toi qui es en train de lire ceci, reçois la santé, le bonheur et la paix. Sois heureuse toute ta vie. Dieu te bénisse et te garde contre le mal. Ils sont toujours là. L'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Franchement, grosse force à ceux qui ont participé à ce titre, parce que franchement, c'est lourd. C'est lourd. Franchement, je découvre aussi le côté musical de DJ P2N et c'est pas mal. Franchement, j'aime beaucoup. C'est intéressant et j'aime bien le délire de la prod, comment elle est. Je vois le style un peu. Je sais pas si c'est vraiment le style congolais qui est comme ça. Je sais qu'il y a pas mal de sons comme ça de ce côté-là, en fait, de l'Afrique. Et c'est lourd, en fait. Je me demande même si c'est pas Inos B qui fait un peu des sons typés un peu dans ce genre-là, un peu. Parce qu'après, je sais pas, j'ai pas une grosse culture au niveau de tout ce qui est. En dehors de tout ce que je fais d'habitude, quoi, en fait. En gros, quoi. Mais il faut absolument que je vais voir un peu ce qui se fait ailleurs. Parce qu'il y a tellement de types de sons, de genres et tout. Mais c'est lourd, c'est lourd. En tout cas, moi, j'ai bien kiffé. Et le Licolo Remix, faudra que j'écoute l'original. Faudra. Ouais, faudrait. Faudrait. Et on attend des nouvelles de Ténor. Il faut qu'il envoie des projets, des queutrues, là. On attend ça absolument. Donc grosse force à DJ P2N, DJ Amarola, Ténor et lourd. Christopher Famille, il a fait un très très beau clip aussi, lourd. Et Bang Flang Empire. Voyons ce qu'il y a dessus, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.